Nouvelle rupture entre Laure Manoudou et son entraîneur. Cette fois, c'est le club italien qui l'avait accueilli en mai après son départ tonitruant du Canet qui a décidé de l'exclure. L'entraîneur italien juge que son attitude lors de l'Open de Paris n'est pas acceptable. Explication Julien Benedetto avec Frédéric Bazille. L'idylle aura duré 3 mois. Ce soir, Laure Manoudou n'a plus d'entraîneur. La sportive préférée des Français est exclue du club de Turin. Pour son entraîneur, c'est la championne olympique du caprice. Elle goûte modérément la préparation sauce italienne. Le clash était inévitable. Entre Paolo Penso et elle, ça n'a jamais été la dolce vita. On l'a bien vu ce week-end à l'Open de Paris. La championne a proprement ignoré son entraîneur italien, lui préférant souvent la compagnie de son téléphone portable. Échauffements écourtés, massages zappés, la nageuse reconnaît son manque d'investissement. Je ne me suis pas fait masser, j'ai pas tout fait pour faire un bon temps non plus, donc non, c'est normal. Hein. C'est les vacances? Bah, peut-être pas, sinon je serais pas ici. Manoudou est-elle ingérable? Pas facile d'entraîner Laure au quotidien. Philippe Lucas l'a appris à ses dépens, congédié par la championne il y a 3 mois, après l'avoir conduit au titre olympique et mondial. Et quand elle part à Turin pour se rapprocher de son fiancé, l'expérience tourne au fiasco. Allez! J'arrive pas à nager vite. Mais est-ce normal? À un an des Jeux Olympiques de Pékin, Laure Manoudou se retrouve sans entraîneur, sans structure. Inquiétant pour les dirigeants de la natation française. Là, on est au bord du gouffre, hein, c'est-à-dire que début septembre, il faut qu'elle soit dans une structure, en tout cas qu'elle en fasse le choix. Si elle ne fait pas ce choix, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, on va à la catastrophe pour les Jeux. La fédération est d'ores et déjà en mesure de lui fournir une liste de 5 entraîneurs. À Laure Manoudou de faire son choix, mais ce sera dans 3 semaines, après ses vacances.